Et salut les pédales douces. Ça part quoi? Ça fait longtemps que j'ai pas sorti de vidéo, je vous avoue que je me suis tâté à arrêter de faire des vidéos sur YouTube. Et je me tâte encore parce que c'est quand même de la belle merde. Si tu fais pas du contenu pour des adolescents, enfin même pas, pour des gamins de 5 ans, ça marche pas. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, là, on part sur un petit unboxing. En fait, j'ai discuté avec une société. J'ai discuté avec une société il y a pas longtemps. Ils m'ont dit, ouais, t'inquiète pas et tout, nanana, je sais pas quoi, on va t'envoyer des trucs. Après, ils m'ont dit non, ils m'ont dit oui, ils m'ont dit non. Parce que moi, je voulais genre 3 produits. À la fin, j'aurais dit, écoutez, vous avez mon adresse. Vous m'envoyez ce que vous voulez, quand vous voulez. Je m'en bats les couilles. Et je crois que ce colis, c'est ça. Donc, on va procéder à l'unboxing d'un colis mystère, peut-être piégé. Je sais pas du tout qu'est-ce qu'il y a là-dedans, les gars. Putain, je pense qu'à l'intérieur, il y a des objets virtuels qui ont été refaits dans la réalité. C'est-à-dire des couteaux CSGO, des conneries. Il y avait plein de trucs de merde sur leur site. Ils m'ont saoulé. Ils m'ont dit, fais une vidéo, s'il te plaît. Là, là, là. C'est juste, en fait, ils m'envoient un produit, je fais une vidéo. Je pense que c'est une vidéo qui va puer la merde. Mais c'est pas grave, moi j'ai un truc gratuit. Peut-être que je peux le revendre sur le bon coin après, tu comprends? Enfin, un petit billet, les mecs. Et ça se trouve, c'est un beau produit. Donc, je vais kiffer, je vais le garder. Attention, ah, c'est parti. On va faire comme les youtubeurs gays. Attends, on va enlever ça parce qu'on voit mon adresse, je crois, tu vois. Bon. C'est parti, alors qu'est-ce qu'il y a dans le colis? Eh ouais, sinon, les gars, j'étais en train de vous dire, YouTube, en ce moment, ça me dégoûte à vomir. Ça me... Tu vois? Ça pue, je fais des vidéos d'enculés, ça marche pas, ça me dégoûte. Donc, vous le savez, j'ai une chaîne qui s'appelle Castar Fishing. En ce moment, je vais à la pêche tout le temps. Je sors des putains de vidéos, des poissons de... Entre minimum 50 cm et 2 mètres, on a fait... Pour le moment, cet été. Allez vous abonner en masse, Castar Fishing, putain. Le site de boutique de mes t-shirts et tout ça, si vous voulez serrer des meufs cet été. C'est dans la description aussi. La boutique Teespring, Kicked Star, Madafak. Des putains de t-shirts, bon pas celui-là, mais des débardeurs de ouf. T-shirts pour meufs, des mugs, truc de ouf. Passons au premier objet, les gars. C'est sérieux ça ou quoi? Dis-moi, qu'est-ce qu'ils m'ont envoyé, gros? C'est quoi ça? Un Sinjari Fade Gaze Skin Get Real. En fait, c'est une grenade incendiaire, je crois, de CSGO. Il y a des jeux vidéo qui ont créé tel ou tel truc, des couteaux d'une certaine forme, des grenades de tel ou tel design. Et en fait, ça, c'est une société qui reproduit pareil dans la vraie vie. Franchement, c'est plutôt bien fait. Ça sert de porte-clés. Oh putain, mais c'est un briquet! Oh les bâtards, ils ont pas mis de gaz! Ah ouais! Oh les PD! Attendez, on va faire la simulation jusqu'au bout. Franchement, pas mal le petit briquet là. Alors juste pour ça, franchement, si merde les gars. Un petit briquet comme ça, ça passe bien, non? J'ai toujours bien aimé les briquets de gay. Enfin bref. Alors on va faire la technique à l'ancienne, les gars. Ah merde, c'est un briquet tempête! Ça marchera jamais, je pense. Je vais chercher un vrai briquet, putain, mais je suis vraiment un tocard, quoi. S'il n'y a pas de gaz là-dedans, ça marchera jamais. On fait l'étincelle. Regarde, je balance le gaz, je fais l'étincelle. Ah non, tu vois, ça marche pas. Enfin bref, super les gars, super. Franchement, c'est pas mal. En plus, tu peux mettre ça genre... Franchement, pas mal, j'aime bien. Très bon délire, là, petit truc, grenade incendiaire qui sert de briquet. Lighter Tactical System Collector Edition. Alors, je sais pas du tout comment ça vaut. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur leur site. Si vous êtes intéressé, moi personnellement, j'y gagne rien. J'aurais dit balancez-moi ce que vous voulez, je fais une vidéo. J'ai pas de gain de partenariat de 6 demi. Moi j'ai des trucs gratuits, et puis vous, ça vous permet de voir des petits trucs sympas comme ça. Ou vous trouvez que c'est de la merde, peut-être, j'en sais rien. Ok, deuxième truc. Franchement, il n'y a pas beaucoup de trucs. Hein. C'est quoi ça? Et qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce que c'est que cette merde, Jean-Kevin? À la vôtre, hein. Oh putain, excusez-moi, c'était un placement de produit, il est un peu loupé. Allez là, on n'est pas des alcooliques, nous? Fake case. Skin get real. Motherfuck. Qu'est-ce que c'est que ça, gros? Mais c'est quoi, ce délire? Ils sont foutus de ma gueule ou quoi? En plus, ça colle de ouf. Mais c'est quoi, ça, ma couille? Oh, putain! C'est un couteau gonflable. Ah ouais, ça déchire, gros. Franchement, ils m'ont régalé. Ils m'ont mis super bien à tes mains. Pas mal, quand même, non?
You're talking with me? You're talking with me, my friend? Là, franchement, des débats, hein. J'aime bien le délire. Ils m'ont régalé avec leur objet troll. Franchement, bon, c'est un peu de la merde. Mais c'est pas mal, on dirait un petit carambit. Tu tiens comme ça, là, tu vois? Enfin, bref. Voilà, super, les gars. Ensuite. Oh, oh. Ah. Ça, c'est une prank. Oh, putain. Oh, putain. Une flashbang. Original Fatecast Tactical Flashbang Skin Get Real. Non, c'est un couteau. C'est un briquet aussi, ou quoi? Excusez-moi. Donc ça, c'est une grenade incendiaire, en fait, de CSGO. Et ça, c'est la grenade flash. Mais par contre, ils ont pas mis de gaz dedans. En fait, ils m'ont filé deux briquets. Je pense qu'ils ont regardé mes vidéos. Ils ont dit, lui, c'est pas un tox, tu vois. Mais c'est un mec qui fume beaucoup. Je sais pas comment ça leur coûte de faire des trucs comme ça. Mais franchement, magnifique. Ok, les gars. No troll, no fake. On va faire tourner un des deux fucking briquets. Alors, pour participer, il faut laisser un commentaire avec le hashtag Firestar. Hashtag Firestar 1 ou 2. Je vous le fais gagner, les gars. No troll, je vous l'envoie. Ou je suis PD. Je vous fais gagner un des deux. Une des deux flashs, une des deux grenades. Bon, ça, c'est un peu de la merde. Mais c'est sympa quand même, non? Ça, c'est pour les mecs qui mettent des pouces rouges. Tu comprends? Enfin, bref. Voilà. Ok. Bon, j'aimerais qu'il y ait un truc. J'y vois bien ou quoi? Problème technique, mec. C'est rien. Voilà. Moi, bon, j'aimerais qu'il y ait des trucs un peu plus. Voilà. Le premier, c'est celui-ci. Il me reste qu'un seul truc à ouvrir, les mecs. Oh my god! Alors là, official Fat Gaze Partner. Je vous le montre en premier. Alors, je sais pas si vous voyez quelque chose ou pas. Je pense pas. Non. Là, c'est un Elite Knife. Là, c'est un couteau. Un vrai couteau. Un vrai couteau, quoi. Alors, comment ça se voit? Un peu. Use code FATECASE for free GM 150. S'il y en a qui veulent acheter des trucs, apparemment, faut utiliser ça. Hein? C'est bien. Je sais pas du tout qu'est-ce que vous voyez, les mecs. Si vous voyez quelque chose, je sais pas si c'est beau ou pas. Et alors, ça dit quoi, je te parle, là. C'est bien ou pas? Oh! Franchement, ça a l'air de marcher, leur truc, quand même. Ils m'envoient des trucs comme ça, normal, alors que je fais presque plus de vidéos, je m'en bats les couilles de CSGO, maintenant. The Carambit originate back to the mean case people. Nice. Attention, les gars, on ouvre ça ensemble. Vous êtes prêts? Oh my god! Holy shit! Bon, par contre, ça coupe pas beaucoup, hein. On va pas se le cacher, mais c'est magnifique, il est joli quand même, le couteau. Vous en pensez quoi, les gars? Dites-moi, non mais dites-moi, putain! Là, je suis en train de parler tout seul chez moi devant ma caméra. Marque dans les commentaires un truc. Je t'allume, mais... Je sais pas qu'est-ce qu'on peut couper avec ça. Vous voulez qu'on fasse un test? C'est des beaux produits, hein. Ça brille de mille feux. Magnifique. Avec la petite housse. Apparemment, tu peux l'accrocher. C'est pas mes carambites préférés sur CSGO. Mais il est quand même joli. Franchement, il est bien reproduit. C'est vraiment une belle pièce. Je suis quand même content d'avoir ça. Aïe, aïe, aïe. Ah, ça va, je rigolais, Kevin. Vas-y, viens avec moi, ma couille. Ok. Oula. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait essayer de couper? Si on le voit mieux, là, comme ça. Regardez comme il est magnifique, les gars, le couteau. Franchement, il tue sa mère. Et tu sens que c'est pas de la merde, hein. Je crois qu'il y a une société qui m'en a déjà... Ah non, j'en avais acheté un à l'époque. Regarde, il y a une espèce de petit numéro de série et tout. Alors là, ça, c'est les trucs du jardin, tu vois, tu regardes. T'as jamais vu des tomates comme ça dans le supermarché, tu vois, elles sont michetos, elles sont magnifiques. Oh, tous les moucherons qu'il y a, ça... Ah ouais, là, c'est chaud de ouf. Là, faut enculer. Allez, sortez, mon... Voilà, là, on en... Voilà. Ok. On va essayer de la planter. Comme ça, regardez, les gars, comment ça... Wow, my god. Enfin, bref. Je vais laver le couteau avant, quand même. Voilà, parce que c'est bien joli, mais ça se trouve... Enfin, bref, tu m'as compris. Et t'as rase, toi, là. Bon, attendez, je vais mettre ta GoPro comment, là? Ah,
Allez. Ouais. Alors, là. Oh, excusez-moi les gars, truc de ouf. Ok, alors, on a eu donc la grenade incendiaire qui sert de briquet, franchement super sympa, comme je vous ai dit. Hashtag Firestar pour gagner soit ça, soit ça. C'est deux briquets rechargeables, vous pouvez les recharger par le cul. Ensuite, on a eu ceci, bon franchement c'est un peu du troll, mais bon. En fait, je sais pas, marquez-moi dans les commentaires l'utilité que vous pourriez avoir avec ça, s'il vous plaît. À quoi ça sert? À quoi ça me sert ça maintenant là? Qu'est-ce que j'en fous de cette merde? Et ensuite, on a eu le magnifique couteau. Franchement, là, il n'y a rien à dire. Il est assez joli. Je sais pas du tout comment ça vaut sur le site. J'irai jeter un petit coup d'œil quand même. Oula, excusez-moi les gars. Un beau petit carambit. Je crois qu'ils sont vraiment des couteaux de plein de styles différents. Magnifique. Magnifique. Une belle pièce. Je suis content d'avoir ça gratuit. Et ouais les mecs. Allez, portez-vous bien. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. Thank you so much, my friend. Peace. À bientôt, les gars. Et merde, merde, putain. Moi, je clôture la vidéo, mais regardez ce que j'ai oublié. Non, ça, franchement, ça pue la merde. Hein. Mais ça, genre, vraiment, ça pue, mais grave la merde. Hein. Une espèce de skin de CSGO, là. Un Schmitt ou un terreau. C'est un terroriste de CS, je crois, non? Bah, je sais pas, marquez dans les commentaires c'est quoi. Une petite peluche, franchement, est-ce que j'ai une tête à... Qu'est-ce que j'en fous? À la rigueur, si vous voulez, on peut essayer de pêcher le silure avec. C'est le seul truc que je peux vous proposer. Super, ah super.